j'arrive à Barcelone. Je loge à l'hôtel Palace de Barcelone. Je me couche dans ma chambre. Entre 3h et 4h du matin, une escouade de policiers descend dans ma chambre. Je parle bien d'Espagne. Dans ma chambre. Le concierge a juste le temps d'appeler et puis me dit, Monsieur Sow, la police est devant ta porte. Écoutez, chemin, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai à peine le temps de me lever de mon lit. J'arrive, la porte est assiégée de ma chambre. Je pars, j'ouvre la chambre. En espagnol, je ne comprends pas bien l'espagnol. Il me dit, oui, tu es M. Soro. Je dis, oui, je suis M. Soro. Il dit, bon, ben, veuillez nous suivre, vous êtes en état d'arrestation. Je dis, moi? Je dis, oui. Je dis, pourquoi? Il dit, non, Interpol. Je dis, mais Interpol, c'est qui? Non, Interpol. Je dis, non. Je ne vous suis pas. Je ne bouge pas d'ici. Je suis un homme politique. J'ai assumé des responsabilités dans mon pays. Est-ce que vous pouvez faire ça à Zapatero? J'ai dit non, quand même. Je ne vous suis pas. Je suis ici dans ma chambre. Ce qui doit être fait, vous faites ça dans la chambre ici. Ils ont discuté. J'ai dit, moi, je ne bouge pas. Et je ne permets à personne de s'avancer vers moi. Je ne permets pas ça. Donc, ils ont discuté. Après, ils sont partis. Il y a un parmi eux qui parlait français. Il m'a dit, mais M. Soro, moi, je veux vous donner un conseil. Appelez votre ambassadeur pour voir avec... Interpol. Je dis, avant donc mon ambassadeur est informé. Il dit, non, je t'ai rien dit, mais essaie de voir Interpol. J'ai des connaissances à Interpol, Lyon. Je les ai appelés. Le siège n'était pas informé. J'ai écrit à l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. Il m'a répondu, mais il n'y a rien. Donc, ce qui a pu se passer, c'est que l'Interpol d'Abidjan a pu appeler l'Interpol d'Espagne sans passer par le siège, juste pour m'humilier quand on me voit menotté en Espagne. Je ne suis pas affirmatif.